Bonjour à tous, je m'appelle Loan. Alors je m'appelle Arthur de Lessal. Je suis Mathilde Martinez. Je suis en première année. On est ici sur la plage du Prado pour le défi de Monte Cristo. Le défi de Monte Cristo, c'est des courses, trois courses de natation par jour de différentes distances. On est ici sur deux pôles principalement, un pôle consigne et un autre pôle ravitaillement. J'étais au pôle consigne pour ranger les sacs des participants en fonction de leur numéro de bonnet. Donc pendant les moments de rush, c'était assez intense. Et alors moi, principalement, j'étais sur le pôle ravitaillement, donc on arrivait le matin, c'était préparé pour que dès que les participants sortent de la course, ils puissent se ravitailler directement, manger quelque chose de sucré. Et puis également, tous les participants, ils ont des montres GPS qui permettent de valider leur temps. Et nous, notre but, c'était d'après chaque course, de les laver, les trier, les organiser. J'ai pas mal appris sur tout ce qui était l'envers du décor. C'est vraiment très dur, beaucoup d'appréhension. Mais j'ai adoré ça. C'était super intense en fait, il y avait le plaisir parce que c'est super agréable de se sentir utile, mais c'est quand même très fatigant. Il n'y a vraiment pas une minute de repos, c'est vraiment intensif, mais c'est vraiment excellent, super. Voilà, le but c'était un peu de voir les tenants et les aboutissants d'un événement sportif, et je pense que c'est chose faite ce week-end, et on a hâte d'approfondir ça avec les prochaines expériences professionnelles.